Il n'y a pas de procès avec les gens de vol moderne. Il y a eu un long procès avec Dessiné par Marcel Riffard. Pour maîtriser ce bolide, Delmotte propose son élève, Hélène Boucher. Le 12 août 1934 à Ispe, cette jeune...
deux heures, le Spirit of Saint-Louis se pose sur la piste balisée. Charles Lindbergh, ce garçon de 25 ans, vient de tenir l'air 33 heures. Les raids transatlantiques se succèdent. En 1929, trois Français, Assonant, Lefebvre et Loti, s'envolent d'Amérique à bord de l'Oiseau Canari. À leur arrivée en Europe, ils sont quatre à descendre de l'appareil. Un jeune Américain s'était dissimulé dans la queue. Il faudra attendre le 2 septembre 1930 pour que l'Atlantique soit franchi d'est en ouest par Coste et Bellon sur leur breguet de grand rêve, le point d'interrogation. Thank you.
système de détection de l'aliment intermédiaire à partir de différents endroits de la nourriture virtuelle pour augmenter la capacité du corps. Le système hydraulique actionne les terrains de mon endroit et qui permet de manœuvrer la question de la qualité des spectres. Vous permet de connaître le 30 mètres qui constitue la remarquée du corps. Donne le système de l'eau et de l'eau sur la terre. À l'arrière, l'ensemble de l'eau. Le réacteur de 2017 propose un système de top 5 pouvant augmenter la portée jusqu'à 7200 pendant quelques minutes. Branchés sur les moteurs, les alternateurs et les fonds du système hydraulique avec leur régulateur. En hiver, le train d'atterrissage est rétractable à l'intérieur de l'air. Dans les ailes, les aiguilles sont fixées, on est à peu près avec 25 ans de vol, ainsi que les autres éléments. Ainsi, cette matière fait apparaître un volume considérablement abondant. En fait, tout le volume intérieur du plat, en hiver, est occupé soit par le pétrole, soit par le métal. Il est facile de comprendre que pour un agent moderne, la qualité de l'équipement est aussi importante que celle du moteur ou de la voiture.
de collaborer à la construction d'un lanceur de satellites avec comme premier étage un missile balistique Blue Streak. Cet accord aboutit au programme Europa 1 auquel sont associés d'autres pays européens. À la RFA revient la responsabilité du troisième étage de la fusée, à l'Italie celle de la coiffe, à la Belgique et aux Pays-Bas celle des systèmes de guidage et de télémesure. La construction du deuxième étage français Coralie est confiée au LRDA, concepteur de fusée sonde Véronique. Les 10 essais en vol des éléments d'Europa 1 demeurent décevants et un projet plus ambitieux est développé. La fusée Europa 2, qui doit permettre de placer un satellite en orbite géostationnaire, décolle de Kourou le 5 novembre 1971. Mais un défaut du système de guidage entraîne l'échec de la mission et l'abandon du projet. Au début des années 70, le succès du programme Apollo attire la domination des États-Unis dans le domaine des techniques spatiales. Aussi, les Européens acceptent-ils la proposition de la NASA de réaliser un laboratoire spécial pour la navette américaine. Au même moment, le projet Europa 3 est abandonné, alors que la France insiste auprès de ses partenaires sur la nécessité de poursuivre l'étude d'un lanceur fiable et autonome.